Voilà un véritable casse-tête. J'ai les neurones qui flanchent. Je sens que je vais encore passer une nuit blanche. Si je résous ces calculs, alors je craquerai ce code. J'imagine le jour prodigieux quand de mes résultats jaillira mon invention. Alors on entendra mon cœur crier de joie, même jusqu'aux antipodes. Deux et deux font quatre, mais je finirai par trouver. Je veux pas me laisser abattre. Et si pour tout dénouer, je changeais de méthode. Je sens bien que je suis tout prêt, même si je suis sceptique. La solution se trouverait dans ce champ magnétique. Mon cœur bat la chamade, c'est loin d'être commode. Parce que c'est parfait, oh oui je l'aime. Je sens mes pensées dériver. Je dois me concentrer, je ne peux pas m'égarer. Je dois avancer sans fléchir, m'acharner à réfléchir. Dans un instant, je le sens, tout va s'emboîter parfaitement. J'y vois plus clair dans mes idées. Quelque chose s'est révélé. Quelqu'un pourrait-il me pincer? Je crois que j'ai enfin trouvé. C'est si parfait. Oh oui, je le sais. Si parfait, comme je l'imaginais. Mon rêve devient réalité. Déjà, mais je n'ai pas envie de bouger. Hey.
Toujours, toujours, la même histoire, toujours les mêmes gestes. Toujours, toujours, ça me sort de la tête. Sans doute, que ma vie vaut beaucoup plus que ça. Sans doute, je pourrais changer ça. En cadence, je mélange, bien coupé, remué, et puis le tour est joué. En cadence, je mélange, bien coupé, remué, c'est amusant de créer. J'avais bien dit que je nous trouverais un bus. Il n'est pas bon. Il y a peut-être quelques réparations à faire. Maintenant, nous sommes au pied de la montagne que nous allons devoir gravir. Mais leur tour, il nous faudra bien